Salut à tous et bienvenue sur un anneau de vitesse. Quoi de mieux qu'être ici sur un vélodrome pour aller rencontrer la femme la plus rapide du monde. J'ai nommé évidemment Mathilde Gros, championne du monde de vitesse olympique, qui nous fait l'honneur de nous accueillir pour apprendre à mieux la connaître. Allez, c'est parti. Mathilde, merci de nous accueillir en ton antre au milieu d'une piste. Toi, tu dois commencer à en connaître pas mal des anneaux de 250 mètres. T'as compté le nombre de pistes dans ta vie que t'as eu la chance de connaître ? Franchement, j'ai pas compté, mais j'ai la chance d'en faire beaucoup. Et avec en plus la Track Champions League, on en voit, enfin vraiment, on en visite de plus en plus. Donc ouais, mais c'est toujours magnifique de découvrir un vélodrome ou de revenir dans un vélodrome. Ça, c'est un truc qui peut paraître bizarre pour les gens qui n'ont jamais mis une roue sur un vélodrome, parce qu'il n'y a rien de l'extérieur qui ressemble plus à un vélodrome qu'à notre vélodrome. C'est quoi qui fait que ça différencie ? Et nous, en tant qu'athlètes sur la piste, on voit vraiment en fait, que chaque vélodrome est complètement différent. D'ailleurs, quand on compare Saint-Quentin à Berlin, ça n'a rien à voir. Saint-Quentin, il y a un mètre de haut de plus, c'est des virages beaucoup plus grands, des lignes droites beaucoup plus longues. Berlin, c'est plus petit, c'est plus serré. C'est un peu plus relevé, donc vraiment, en fait, on adapte à chaque fois nos braquets en fonction des vélodromes, on adapte nos façons de courir en fonction des vélodromes. C'est vraiment, chaque vélodrome a son identité et c'est ça qui fait la beauté de tous les vélodromes. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on va dire quand même qu'il y a quelques critères pour que le vélodrome il soit olympique. Oui. C'est la distance notamment. C'est ça, 250 mètres et il y a une réglementation au niveau de l'inclinaison dans les virages. Donc c'est très réglementé. Par exemple, si vous avez un vélodrome de 200 mètres, c'est pas réglementé pour accueillir des compétitions internationales. C'est le plus important, c'est qu'il fasse 250 mètres pour qu'on puisse avoir des compétitions internationales dessus. Bon, on va revenir à toi un peu. Je vais essayer de pas trop poser les questions que tout le monde a déjà largement posées. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, une de tes particularités, c'est que t'es pas né sur un vélo, comme beaucoup, mais t'avais un autre sport que tu pratiquais à très haut niveau, qui était le basket. Donc, t'es arrivé sur le tard et un peu par hasard au vélo, suite à des tests qui ont révélé qu'a priori, t'étais plutôt fait pour ça, ce que l'avenir a plutôt confirmé jusque-là, hein, avec un joli maillot. Moi, ma question, c'était quoi ton rapport avec le vélo avant ? Est-ce que t'avais un vélo chez toi ? T'en faisais déjà ? T'aimais bien ça ou pas du tout ? Alors, le vélo avant, mon père faisait du VTT. Mon arrière-grand-père était italien et il faisait le Tour d'Italie. Il était sprinter sur route. Je connaissais pas du tout avant qu'il y ait cette histoire de pourquoi j'avais ces capacités sur le vélo. Et c'est vrai que ma grand-mère m'a dit mais mon grand-père, mon père, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait toute une branche côté Italie que je connaissais pas. Mais après le vélo à la maison, on regardait le Tour de France, mais on faisait la sieste devant, on s'endormait au départ, on se réveillait pour l'arrivée. Et puis une fois j'ai fait une sortie VTT avec mon père. Mais ça s'est super mal passé, j'ai détesté, j'avais mal aux fesses, c'était long, je suis tombée dans les ronces. J'ai dit plus jamais, c'est quoi ce sport ? Pour moi, c'était vraiment, j'ai laissé tomber ça. Et même quand les seules fois où je montais sur un vélo, c'était pour aller au lycée au Krebs à Aix, justement dans le basket. Avec mes deux copines, on prenait le vélo et on faisait quelques kilomètres. Je me cassais toujours la figure entre-temps. Donc vraiment, quand même elles ont su cette histoire, elles m'ont dit « c'est pas possible, c'est une farce quoi ». Ouais, mais c'est un bel exemple. Comme quoi, ça peut très très mal partir, mais très bien se finir. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est que tu reviennes pour nous sur ta première fois sur une piste. La première fois qu'on t'a donné cette machine avec un pignon fixe, pas de frein. On t'a montré un anneau comme ça. Ouais. Tu te souviens ce que t'as pensé ? Ouais, c'était ici. C'est vrai. C'était à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le vélodrome, donc qui a été construit en 2014. Et en fait, je suis arrivée par là-haut, là-bas, et j'avais jamais vu de piste. Pour moi, une piste de cyclisme, c'était à peine relevé, mais comme un peu les pistes d'athlètes, c'était un peu ce genre-là. J'avais jamais vu vraiment à la télé. Je m'étais pas renseignée, vu que ça s'est fait assez rapidement et pour moi, j'y croyais pas trop, je m'étais vraiment pas renseignée. Et en fait, je suis arrivée par l'entrée principale et quand je me suis penchée, que j'ai vu la raideur du truc, que j'ai vu la hauteur, la largeur, j'ai dit, mais jamais de la vie, moi vivante, je monterais sur un truc comme ça. Je tiens à ma vie, j'avais des tests dans d'autres équipes au basket, je me suis dit, mais jamais de la vie quoi. Bon, finalement, le lendemain, l'entraîneur à l'époque me fait monter à la balustrade ici. Ouais. J'étais en jogging, j'avais un casque complètement de travers et ils m'ont fait monter à la balustrade. Et à la balustrade, je pleurais. Et en plus, l'entraîneur à l'époque, c'était Justin Gray, c'était un anglais. Il parle en anglais. Moi, l'anglais à l'époque, c'était pas ça du tout. Il me parlait, mais je comprenais rien du tout. Et je faisais juste « Ok, ça va ?» Et moi, j'étais là « Ouais !» Et je pleurais, j'étais au bout de ma vie, c'était horrible.
Mais finalement, j'ai continué dans cette voie. Bah, belle leçon de morale, voilà, comme quoi. Ouais, comme quoi, faut pas se fier aux premières apparences. T'as quand même persévéré, parce que moi, j'en connais un paquet qui ont testé et qui se sont arrêtés là. Non, mais vraiment, il faut aller monter sur un vélodrome si vous avez la chance d'en avoir un près de chez vous. C'est une expérience à vivre au moins une fois. Qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs à l'audience de GCN pour les convaincre de tester cette magnifique discipline? Pour les convaincre, c'est juste que vraiment faut essayer parce que c'est une sensation que on ne ressent jamais ailleurs dans n'importe quel sport. C'est les sensations de vitesse, les sensations d'inclinaison. Mon père l'a fait, mon frère l'a fait. Franchement, c'est tout le monde peut le faire. C'est possible pour toutes les personnes de tout âge. Et franchement, c'est des sensations qui vous restera marquées à vie, quoi. Voilà. Maintenant, c'est dit. Vous avez plus qu'à. Vous êtes obligé là. Là, c'est bon. Et on nous a posé une question, souvent on nous demande d'essayer de répondre à des questions de passionnés ou de pratiquants. Comment on fait pour savoir si on a un vélodrome près de chez soi? Eh ben, j'ai trouvé que la meilleure des réponses était encore Google, qui est très bien renseigné. Oui. Il vous donne tous les anneaux autour de chez c'est vous. Vrai, voilà, c'est vrai, c'est vrai. On va parler un peu matos, parce que nous sur la chaîne on aime bien ça. Et c'est vrai qu'un vélo de piste, eh ben, ça ressemble à un vélo de route de loin, mais quand on se rapproche, il y a quand même des spécificités. Pas du tout, ouais. La première que je voulais te poser, c'est rapport à la largeur du guidon. On sait que les guidons ont tendance à rétrécir sur route, et c'est une mode qui vient un peu de la piste d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pistards aussi qui l'ont apporté. Quelle est la dimension de ton guidon, et globalement sur piste on trouve quoi comme dimension? Moi c'est un 35 mm, c'est vrai que généralement, millimètre c'est un peu trop... C'est vrai que c'est de plus en plus petit, mais là quand même, faut pas abuser quoi, non, 35 cm, mais il y en a aussi qui mettent des 32, ça c'est un peu moins, la majorité c'est du 35 cm généralement, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'aérodynamisme et tout, c'est au fur et à mesure. Mais après, faut pas non plus tomber trop dans l'excès, ça va dépendre un peu. Il y en a qui mettent du 32 parce qu'ils arrivent à bien le manœuvrer. Moi, pour l'instant, je suis sur du 35, ça me va très bien. Et même en termes d'aérodynamisme, ça me va pour ma part, quoi. J'ai remarqué aussi qu'il y en a de plus en plus qui utilisent du grip sur les guidons. Oui. Il y en a certains qui utilisent des gants et d'autres qui n'utilisent pas de gants. Mm. Toi, c'est quoi ta... Moi, c'est des gants. Tout ce qui est Kérin, match de vitesse, gants. Parce qu'au cas où, si on tombe, si on tombe, le premier truc, c'est les mains. Et si après, vous brûlez les deux mains, vous êtes bien embêté, je pense, dans la vie de tous les jours. Donc, moi, c'est gants obligatoires. À l'entraînement aussi, H24. Après, pour les épreuves, par exemple, de vitesse par équipe, je mets de la magnésie. Ouais. Donc, on a déjà sur les guidons quelque chose pour éviter que ça glisse. Mais moi, je rajoute en plus de la magnésie pour les départs et pour le 200 mètres lancé. Des fois, ça peut m'arriver aussi de mettre de la magnésie parce que j'ai l'impression de sentir un peu mieux mon guidon. Mais après, pour le reste, c'est gants, quoi. Pour moi, c'est obligatoire. On va revenir un peu à ta carrière et à tes récents résultats. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de les présenter puisque ça se voit. Quand tu t'habilles d'ailleurs, tu es plus fière, tu te trouves plus jolie en te regardant dans le miroir quand tu portes cette magnifique tunique ou quand tu mets une belle robe de soirée? Non, franchement, je suis super contente et je profite vraiment de... Enfin, je suis reconnaissante de ouf. C'est vrai que j'ai eu pas mal de bas ces derniers temps. Enfin, même à mes débuts, hein, les gens pensent que c'était facile, mais pas du tout, loin de là. Plusieurs fois, j'ai failli arrêter. Donc, c'est vrai que je suis super contente. C'est l'accomplissement de beaucoup de choses, mais j'ai pas atteint ce que je veux réellement. Donc, c'est un point d'étape coché. En tout cas, ça, on pourra plus jamais me l'enlever de toute ma vie. J'ai déjà été championne du monde, mais je suis déjà focus sur les autres championnats du monde dans un an et les futurs jeux, quoi. Auront lieu ici même. Et ce que tu dis, c'est fort quand même. Tu dis, j'ai déjà failli arrêter. C'est vrai que c'est ingrat comme discipline d'un côté de la piste, parce que tous les 4 ans, on se dit, ouais, ils ont plein de chances d'être médaillés, il y a beaucoup de disciplines, etc. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que contrairement, je vais comparer à la route, parce que c'est quand même ce que les gens regardent massivement, y a des courses tous les week-ends. Même si tu ne gagnes pas, tu peux avoir des satisfactions. Toi, tu fais ta vitesse, ça passe ou ça casse, mais tu as un titre mondial par an, tu as les JO tous les 4 ans, tu as une deuxième discipline qui est le Kering, mais t'aimes plus ça le Kering d'ailleurs? Pourtant je marchais bien quand je marchais plus sur la vitesse. Je marchais de fou en Kering, je comprenais pas pourquoi. Et là, mais c'est bon, à un moment donné, si vous allez voir, je vais trouver le réglage parfait et les deux, ça va marcher, quoi. Je referme la parenthèse, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Comment tu as vécu? Tu as déjà une première expérience olympique, puisque tu as déjà fait les JO de Tokyo. Et comment tu as vécu les post-Jeux olympiques? Tu as l'air de dire que tu as même douté, tu as pensé à arrêter. Comme tu l'as dit, quand je compare par exemple foot ou basket, il y a des matchs tous les week-ends, il y a plein de que ce soit championnat de France, championnat régionaux, championnat international, enfin il y a plein de trucs. Nous, il y a un championnat d'Europe, 3 coupes des nations, un championnat de France et un championnat du monde. Vous ratez vos championnats du monde,
bah la saison à la fin vous êtes dégoûté, alors qu'on s'entraîne tous les jours du lundi au samedi, que il y a pas de jour férié, que mais comme dans plein de comme plein de disciplines. C'est vrai que quand je parle notamment par exemple avec les natations synchro, elle aussi c'est un enfin elle a encore plus que nous je trouve, elle s'entraîne enfin des trucs, et c'est vrai que c'est ça à la fois ce qui est dur dans un sport, mais à la fois qui fait sa beauté. Et du coup je pense que vraiment par rapport à ce que j'ai vécu après Tokyo, enfin après Tokyo clairement je voulais arrêter. C'était en fait on monte tellement haut les Jeux Olympiques que bah si ça se passe bien tant mieux, mais si ça se passe mal, mais vous pouvez descendre tellement bas. Et je suis descendue tellement bas que je dis mais ça sert à quoi de continuer tout ça, la balance sacrifice plaisir, il y a plus, enfin là il y a plus rien quoi. Et du coup je me suis dit ok, bah pourquoi à la base je fais du vélo, c'est pour le plaisir, les sensations que tu as sur la piste et tout. Et du coup je me suis dit ok, bah les Jeux de Paris je vais les dédramatiser, parce que tout le monde mais c'est logique, parce que c'est voilà, ça reste des Jeux Olympiques, c'est un événement tous les 4 ans, c'est ce qui fait aussi sa beauté. Mais au final ça sera sur la même piste ici avec les mêmes personnes, nous on sera dans les mêmes conditions, il y aura ma famille, il y aura, ça sera exactement le même truc, donc dédramatiser tout ça. Il y aura juste en plus une belle cérémonie d'ouverture sur la scène, mais après voilà, ça reste une compétition. Et au final on n'en parle déjà plus des Jeux de Tokyo, et après Paris on n'en parlera plus non plus. Donc c'est juste profiter, profiter quoi. On ne t'enlèvera pas en tout cas ce beau maillot, non. Ça c'est acquis, et ça tu vois, tu peux construire dessus et déjà avoir cette satisfaction à vie, même si on oublie, ça restera. En tout cas c'est une belle leçon que tu donnes, parce que nous on a beaucoup de jeunes qui regardent la chaîne et qui posent souvent la question comment on fait pour devenir pro. Ben, ce que vient de dire Mathilde, c'est essentiellement ce qui fait la différence, même à talent équivalent ou même avec un peu moins de talent, avec les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. ben oui, c'est ça, c'est savoir se relever, pas qu'une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois. Ben, le sport de haut niveau, c'est ça. Donc, merci pour cette belle leçon. Avant de te quitter, je vais te donner 2-3 questions un peu plus sur ton rapport avec la machine, avec réponse courte. Tu laves ton vélo tous les combien? Le vélo de piste, on le lave à peu près une fois toutes les 2 semaines, on passe le chiffon dessus. Et vélo de route, un peu plus, parce qu'on ne va pas beaucoup sur route, autant que les routiers. Allez, une fois par mois. Quand tu dis « on », t'englobes tout le monde, ou c'est parce que c'est pas toi qui le lave toujours? Non, c'est pas moi qui le lave toujours. J'ai la chance, j'ai un super mécano, Cyril Perrin. Je pense que tout le monde, pas mal de monde le connaît, et ils mettent beaucoup là-dedans, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu utilises comme braquet pour la vitesse? Ça dépend, ça peut varier de peut-être 55-14 à 74. Combien de watts max? Fais-nous rêver. J'ai déjà fait 1400. Ah ouais? Ouais, j'ai mais pas... 1400, mais tu parles de watts sur 3 ans? Ouais, c'est une Pmax, ouais. Vraiment, oui, une Pmax. Oui, oui, une Pmax. Oui, c'est déjà ouais, impressionnant. Et, bon, et pour terminer, je vais te demander de nous faire une petite démonstration de ce fameux regard de braise, parce que là, tu te sens vous savez vraiment que je sais pas le faire. Mais ouais, mais je vous jure, là, vous me demandez, je sais pas le faire. C'est un truc vraiment. En plus, mais moi, quand je vois les images, je dis ah ouais, à ce point, purée, ouais, de ouf. Et moi, ils m'ont dit c'est bon, tu vas faire l'interview avec Mathilde. J'ai dit moi, je veux pas y aller. Mais il y a plein de gens, franchement, qui me connaissent enfin depuis très longtemps et qui ont jamais vu ça. Je dis mais vous savez, je vous jure que même moi je sais pas comment on fait. Donc là même si je le fais là, ça serait pas réaliste, parce qu'il y a, il manque la concurrente je pense à côté quoi. T'as raison, je suis beaucoup plus sympathique que tes concurrentes. Oui. En vrai c'est elles qui font son regard quoi. Bah oui c'est ça, donc là je vais pas te le faire quoi. Ah, t'as raison. Bon, merci Mathilde en avec tout cas, plaisir pour ta sympathie à toi aussi et puis pour toutes ces confidences, et j'espère que merci. Ça aura donné envie à beaucoup de monde d'essayer la piste. À plus, merci. C'est quand même beau la piste, en tout cas moi j'ai apprécié apprendre à découvrir cette championne magnifique qui est Mathilde. Cette discipline j'adore toujours autant, que ce soit en endurance comme derrière moi ou en vitesse. J'espère que vous aurez aussi apprécié à découvrir une personnalité unique et ce magnifique vélodrome. On se retrouve bientôt sur GCN en français, comme d'habitude, commentez, partagez, likez. Allez, salut!